Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes actuellement en direct de la chapelle Notre-Dame du Bon Conseil à Moka pour cette fête de l'Assomption, fête qui commémore la gloire de Marie au terme de sa vie terrestre. Cette messe sera présidée par le curé de la paroisse, le père Giorgi Kini. La fête de l'Assomption est la fête de tout ce peuple de Dieu. Marie, l'une d'entre nous choisie parmi les petits, nous précède dans la joie du royaume. Vous qui êtes chez vous, en train de nous suivre à la télé et qui n'avez pu vous déplacer pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, joignez-vous à nous, unissons nos prières et réjouissons-nous avec Marie et avec toute l'Église. Chers frères et sœurs, cette fête de l'Assomption nous invite à tourner notre regard vers notre Maman du Ciel, à contempler son humilité, sa disponibilité et sa fidélité parfaite à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a choisi de l'élever au ciel et de faire d'elle la reine de l'univers. À nous aujourd'hui de mettre nos pas dans ceux de Marie, de nous mettre en route avec elle, avec l'espérance qu'à la fin des temps, nous serons associés à la joie du ciel. Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux ce matin d'être rassemblés pour célébrer cette fête de l'Assomption et nous sommes heureux aussi à la communauté de Moka, dans cette chapelle Notre-Dame du Bon Conseil, de pouvoir le célébrer avec d'autres Mauriciens à travers la télévision, ceux qui suivent et qui participent à cette Eucharistie ce matin. Donc merci de nous rejoindre, c'est très heureux que nous rejoignions ici à travers la MBC. Nous fêtons l'Assomption de Marie au ciel, Marie élevée dans la gloire de Dieu, ce qui quelque part préfigure, annonce aussi un peu notre avenir à nous.
C'est-à-dire qu'un jour, nous aussi, nous serons appelés à partager cette communion avec Dieu, être auprès de Dieu. Alors Marie est la première en chemin pour nous. Elle nous ouvre ce chemin, elle qui a été disciple de son fils Jésus. Et nous verrons comment elle est aujourd'hui modèle pour nous, modèle de vie, modèle de disciple au cœur de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous nous présentons avec ce que nous sommes, avec nos fragilités, avec ce qui est péché dans notre vie. Et nous savons que notre Dieu est miséricordieux. Et c'est parce qu'il est miséricordieux que nous pouvons implorer son pardon. Confiance en toi et nous pensons bien agir. Qu'à l'exemple de Marie, nous ayons une foi sans limite en ta parole. Seigneur, prends pitié de nous. En pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, accueillis et pardonnés, à nous sente la gloire, bon Dieu.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la croix. De roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la main de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour de la fête de l'Assomption, c'est la figure de Marie qui nous est donnée de contempler. Et je suis heureux donc, comme je le disais au début de cette Eucharistie, que nous puissions nous accueillir dans la communauté Kitamoka, accueillir tous ceux qui suivent et qui participent à la messe à travers la télévision. C'est la figure de Marie qui nous est donnée. Marie est modèle de tout disciple. Marie est appelée à être un modèle pour nous. Marie est la première en chemin. Nous finissons ça, t'allais là. Marie est la première en chemin. Elle nous précède. Elle nous a précédés sur le chemin de la foi. La fête de l'Assomption, et fêter pour nous la fête de l'Assomption, c'est d'abord et avant tout rendre grâce pour celle qui a porté en elle le salut, qui a permis au Sauveur d'entrer dans le monde et qui, en prenant le chemin du ciel, eh bien, nous montre ce qu'aura aussi notre chemin à nous un jour. Elle nous précède, qu'elle nous précède comme elle nous précède aussi aujourd'hui en chemin. Nous avons entendu ce texte de la visitation. Marie qui visite sa cousine Élisabeth. La rencontre de deux femmes qui n'avaient pas prévu de donner la vie. Marie, tiens jeune fille, tiens adolescente. Élisabeth, l'est-il bien avancée en âge, il pertinait aucun espoir à les enfants. Eh bien, c'est la rencontre entre celle qui n'avait pas prévu d'avoir d'enfant et celle qui n'avait plus d'espérance d'avoir un enfant. Et pourtant, je te l'aider, je te la vie pour bouleverser, je te l'avenir pour bouleverser. Marie vient donc elle-même d'apprendre qu'elle est enceinte. Fruit de l'Esprit Saint. Imagine ça, point de jeune fille, il apprend qu'il est enceinte. Elle est bouleversée, elle est promise à Joseph. Ils ont un projet de se marier. Et voilà que l'Esprit Saint lui dit, tu enfanteras un fils, c'est lui-même qui sera le sauveur du monde. Ou imagine-nous à Salaz, il n'y a pas pu comprendre qu'il peut arriver. Élisabeth, dans ce vieillesse, peut atteindre des enfants. Alors, c'est la rencontre de ces deux femmes. Marie est la première en chemin et Élisabeth aussi, comme Marie, accueille les imprévus de Dieu dans leur vie. Elles accueillent les imprévus. Marie se met en route, Marie se met en chemin. Elle va vers sa cousine Élisabeth.
Marie a toujours été présente dans la vie de Jésus. Elle était là à Cana, lorsque Jésus commence son ministère. Elle était là au Golgotha, au pied de la croix. Elle était là à attendre le don de l'Esprit Saint au Cénacle. Elle était non seulement avec les disciples, elle était disciple de Jésus. Elle est en chemin, comme tout disciple est appelé à être en chemin. Comment Marie, pour nous, est modèle de disciple pour nous aujourd'hui? Il me semble Marie modèle pour nous dans trois manières. Peut-être il y en a plus, mais on aurait tenu à trois. D'abord, dans sa capacité de faire confiance. Ensuite, dans son sens du service. Et enfin, par son action de grâce. Marie est disciple et modèle pour nous aujourd'hui, pour l'Église et pour le monde, dans sa capacité de faire confiance. Faire confiance, c'est ça même la foi. Faire confiance, c'est poser un acte, même si nous pas trop comprenons, mais me dire, me faire confiance, ça dit moun là. C'est comme un enfant fait confiance aux parents. C'est la même chose. Marie fait confiance à l'ange qui lui dit, tu vas être enceinte, tu portes un enfant, cet enfant est le Fils de Dieu. Elle dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire? L'ange dit, pas tracassé. Fais confiance, toi. Il dira, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle accueille une parole qui la dépasse. Elle accueille les imprévus de Dieu dans sa vie. Nous t'y prévois après la COVID, nous? Nous t'y prévois? Nous tout, nous t'y dans carême, nous t'y prépare Pâques. Nous t'y prévois après la COVID? Nous t'y prévois après le confinement? Nous t'y prévois pendant la marée noire dans le sud. Nous tout peut dire là, quand nous pouvons avoir le beau la mer, les beaux temps peut retourner, tout ça. Nous t'y prévois tout ça. Beaucoup qui choses nous partent prévoir, donne-nous la vie. Et peut-être encore beaucoup de choses, les imprévus de nos vies. Alors, ces imprévus qui viennent bousculer nous, qui lient COVID, qui lient confinement, qui lient ce qui peut passer dans le sud là, ça nous bouscule, ça nous secoue. Nous n'avons pas prévu, on avait fait des plans. Et voilà que la vie nous réserve parfois des surprises, pas forcément heureuses, mais qui nous bousculent et qui nous secouent. Alors, devant les imprévus de nos vies, parfois nous sommes tentés de baisser les bras, de se dire, mais je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas capable comme si faire face à cela. Ou alors, nous sommes tentés comme si, laisse-nous faire. Ou alors, nous pose un acte de foi. Et nous dit, dans ce qui peut arriver, nous, bon Dieu n'est pas capable, comment dire, il largue nous. Un peu comme dans l'Évangile, cette semaine d'Athéna, que Jésus nous rejoint sur notre barque en marchant en venant vers nous dans cette tempête qui tombe sur nous. C'est l'Évangile de dimanche dernier, la tempête apaisée. Alors, nous sommes appelés à faire confiance. Et la confiance, c'est toujours la foi. C'est-à-dire, moi, pas comprendre tout ce qui peut arriver. Tout comme Marie, pas comprendre tout ce qui peut arriver. Mais seulement, il nous dit comme ça, qu'il me soit fait selon ta parole. Si Dieu nous appelle à une mission, comme Dieu appelle Marie à une mission, c'est pas pour avoir lit le récif. Comment ça, bateau qui nous tombe le récif là. C'est pour un chemin de bonheur. Même si parfois ce chemin de bonheur, il passe parfois par des imprévus, des incompréhensions, et je ne sais pas. Et c'est là qu'il nous a appelé à laisse-nous guider, à laisse-nous conduire. Marie donc est modèle pour nous de disciples à travers sa capacité de faire confiance. Marie est aussi modèle pour nous de disciples à travers sa capacité de se mettre au service. Marie au cœur de ce qu'il vient d'apprendre. Imagine-nous une jeune fille promettre un mariage à un garçon et apprendre qu'il est enceinte. Ou quoi, dites-vous un courage à l'aide de sa cousine. Alors elle se met en chemin parce que sa cousine Elisabeth aussi est enceinte. Elle se met en chemin sans doute aussi pour partager son trouble. Sa cousine, sûrement, elle était proche. Mais elle se met en chemin au cœur de ce qu'elle est, bouleversée, secouée.
elle va visiter sa cousine Élisabeth et l'Évangile nous dit qu'elle reste avec trois pendant trois mois avec Élisabeth. Parce qu'Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste. Elle m'a dit, elle nous a donné un coup de main, dit-moi qui est enceinte, nous connaît qui dit, elle a un coup de main, elle a un peu gêné, elle aide-lui, elle prépare ce naissance, ses enfants. Elle m'a trouvé une madame avec ce petit baba là. Parfois, vous avez un coup de main pour élever sa petite là. Non? Bonhomme, j'ai dit, bonhomme, mais qui carie toi aujourd'hui, l'État me donne ce bain. Pourquoi un peu pareil comme ça, Marie? L'Ibiza donne un coup de main, prépare Élisabeth, accompagne-lui. Le sens du service, la solidarité, l'attention aux plus pauvres, voilà ce que nous sommes appelés à avoir, aux plus faibles. Nous capables de dire nous-mêmes dedans un problème. Oui, nous-mêmes nous faites sortir dans Covid, nous-mêmes nous encore pas connaît l'avenir, plus réserve nous. Alors nous pas capables d'aider les autres, nous veillons nous-mêmes d'abord. Ça c'est de l'égoïsme. Au cœur de ce que nous vivons, comment nous sommes capables de sortir de nous-mêmes, comme Marie est capable de sortir de chez elle pour aller se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Ce n'est pas parce que nous-mêmes nous en pince, nous engloutis dans Marie Noire, qui nous pas capable de développer un geste de solidarité. Et c'est formidable ce qui se passe dans le Sud, comment la société civile est capable de mettre debout. Et c'est un grand exemple, ça. Comment la société civile met eux debout pour dire, même si nous dans la marée noire, nous avons une capacité de remettre nous debout et de vivre la solidarité. Alors, il ne faut pas laisser aucune marée noire venir traverser nos navires. Ça veut dire que dans nos navires, il y a une tempête, dans nos navires, il y a un cyclone. Mais au cœur de ce que nous vivons, n'oublions pas notre capacité d'être solidaire. Et Marie nous donne cet exemple. Elle ne se replie pas sur elle-même, plaignant sur son sort, disant « qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle se met en route, sans doute pour partager pourquoi elle est bouleversée, mais pour se réjouir aussi avec Élisabeth. « Élisabeth, mon père, accompagne-toi jusqu'à te donner naissance, ces enfants-là. » Oui, nous avons été témoins durant le confinement de beaucoup de gestes de solidarité. Comment la société civile, et comment Caritas, fait mes autres en route, nous fait une solidaire, nous sommes capables chacun de dire, aïe, nous-mêmes, lui, dans pince. Hein? Alors, je crois que Marie peut nous inspirer pour nous ouvrir et ne pas rester repliés sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, au cœur de ce monde, nous avons à être solidaires les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas rester chacun dans notre petit confort, dans notre zone de confort. Au cœur de ce que nous traversons, nous-mêmes, même si nous-mêmes, lui, dans pince, comment nous mettons-nous debout et comment nous allons vers les autres et nous rendons-nous solidaires. Et c'est ça le témoignage qu'un chrétien peut donner. Mais les autres disent-moi aussi qu'il a donné. Dernièrement, il y en a plusieurs manières. Mais troisième manière, à mon avis, Marie est modèle de disciple pour nous, c'est dans sa capacité de rendre grâce. Elle dit merci. Ou pour dire merci ou quand on pince ou. Vous dites, « Seigneur, viens à mon aide. » Ou pour dire merci, Seigneur, vous dire, « Seigneur, tiens-moi dans cette tasse-là. » Au cœur de ce qu'elle apprend comme nouvelle, un enfant, le Fils de Dieu, Marie dit son Magnificat. Elle rend grâce. Au cœur d'une crise qu'elle traverse, elle est capable de reconnaître la grandeur de Dieu. Elle est modèle pour nous. N'attendons pas d'être well-off. N'attendons pas d'être dans une situation parfaite pour nous tourner vers Dieu et lui dire merci. Au cœur de ce que nous pouvons traverser parfois comme épreuve, et Dieu sait que nous traversons des épreuves au cœur de ce monde actuellement. Si un dimoun n'a pas quatre papiers traverse l'épreuve, soit l'île notre planète, soit sur la tête dans la terre, il pas trouve ce qui peut passer dans le monde. Mais l'épreuve comme si, au cœur de l'épreuve, sommes-nous capables de rendre grâce? Parce que Marie, au cœur de la crise qui arrive, de ce qui lui tombe dessus, elle rend grâce pour ce que le Seigneur fait dans sa vie. Et elle relie l'histoire, quelque part, d'Israël qui se réalise à travers elle. Beaucoup d'entre nous, pendant le Covid, pendant le confinement, nous finissons prendre le temps de relier nos histoires. Vous avez fait ça, non?
de nous causer dans la paroisse. Et nous, nous devons continuer cette relecture de notre vie après le déconfinement, parce que pas encore fini. Mais quand nous relions nos histoires, beaucoup de choses montent à la surface. Mais sûrement, il y a eu des motifs d'action de grâce. Même à la sortie du déconfinement, quand on a fait des relectures, on a sûrement eu des actions de grâce. Alors, c'est l'occasion aussi pour nous, en prenant Marie pour modèle de disciple, de rendre grâce pour l'œuvre de Dieu au cœur de ce monde. Oui, beaucoup de choses nous tombent sur la tête. Oui, Marie Noire finit rentre dans nos îles. Au cœur de ce que cela, qu'est-ce que le Seigneur vient nous dire? Et quelque part, comment lui rendre grâce pour ce que c'est, quelque part, à travers ce que nous vivons, il manifeste comme germe d'espérance. C'est difficile, vous allez me dire, de rendre grâce quand nous traversons une crise. Je suis d'accord avec vous. Mais Marie nous montre le chemin de l'action de grâce. C'est-à-dire être capable de reconnaître la puissance du salut, la puissance de vie. La mort ne peut pas vaincre au cœur de ce monde. Si nous, chrétiens, nous baissons les bras devant tout ce qui est signe de mort, où est notre espérance? Alors Marie vient nous dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je rends grâce pour l'œuvre du Seigneur à travers moi. Notre capacité de rendre grâce, eh bien si nous n'en avons pas assez, regardons la figure de Marie. Alors oui, Marie pour nous, celle qui est la première en chemin, et qui nous indique aussi celui qui est source de bonheur pour nous, Jésus. Alors, laissons-nous conduire. Son mari me nous montrer le Christ qui, pour que nous sommes appelés à suivre et que nous puissions nous aussi rendre grâce comme Marie pour l'œuvre de Dieu au cœur de ce monde. Amen. Comme Marie, faisons confiance, nous disons notre confiance en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, et il vient qui donne le premier. Vous êtes du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confiant en Dieu qui est notre Père, nous pouvons nous tourner vers lui pour lui présenter les intentions de prière et lui demander de les exaucer. Dans notre monde, beaucoup de femmes souffrent de violence, de mépris et de toutes sortes d'humiliations. Nous te les confions, Père, qu'elles soient respectées dans leur dignité et leur féminité avec Marie. Nous te prions.
Regarde toutes les familles de la terre, surtout celles qui sont divisées, et les parents inquiets quant à l'avenir de leurs enfants. Soutiens-les, qu'ils gardent confiance que, malgré les épreuves, tu restes près d'eux et que ton amour ne les abandonne jamais. Avec Marie, épouse et mère, nous te prions. Malgré ses souffrances et ses peines, Marie a vu ta bonté, Dieu notre Père, pour qu'au-delà de toutes nos difficultés, nous puissions aussi reconnaître toutes les merveilles que tu fais pour nous chaque jour. Avec Marie, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Paroisse. À travers ces offrandes, Seigneur, nous t'offrons notre monde, notre île, notre paroisse, nos familles et nos jeunes, afin que, comme Marie, par un oui, tous les jours, nous t'offrons notre vie.
Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et elle soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qu'avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, il était mort. Gloire à toi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque le cardinal Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous qui sommes ici rassemblés et qui participons à cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu de paix tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Marie, comme Élisabeth, mettons notre confiance dans le Seigneur. Mettons notre confiance en ce Dieu qui est pour nous un Père et qui nous donne la vie. Nous lui disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Exprimons, manifestons un geste de paix. Le péché de notre monde.
Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Fare la comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la chapelle Notre-Dame du Bon Conseil à Moka pour la messe de l'Assomption. La chapelle Notre-Dame du Bon Conseil se trouve tout près du Mahatma Gandhi Institute. Elle a été inaugurée en juillet 1912. Auparavant, les Mokassiens allaient à la messe à Saint-Pierre ou à Notre-Dame-de-l'Aude à Rosil, ce qui causait un énorme problème. C'est ainsi que l'abbé James Billsborough, alors curé de la paroisse, entama des démarches afin que les Mokassiens, proprement dit, puissent obtenir leur église. La famille Hardy de Bagatelle fit don d'un terrain et des fonds furent recueillis afin de commencer les travaux. Entre-temps, Dom James Billsborough devint évêque et c'est l'abbé Richard Marie Lee, curé de la paroisse de 1910 à 1918, qui prit la relève et la pose de la première pierre eut lieu en novembre 1911 sous le vocable de Notre-Dame du Bon Conseil. Outre la famille Hardy, la chapelle doit beaucoup à la famille Ray. Monsieur et Madame Ray ont beaucoup contribué à l'aménagement de la chapelle. Et lors de leurs fréquentes visites en France, ils ramenaient des objets de culte pour la chapelle. Par exemple, le grand tableau de Notre-Dame du Bon Conseil, qui se trouve toujours dans le chœur. Cette chapelle fait partie de la paroisse de Saint-Pierre-Estien. Aujourd'hui, Moka, petit village jadis inconnu, comprend plusieurs quartiers résidentiels. Vinson, Montagnerie, Telfair, Route Boischery, Railway Square, pour ne citer que quelques-uns. Et depuis quelques années, Moka connaît un développement rapide, avec Bagatelle Mall, des centres d'appel
et plus récemment la Smart City et plusieurs quartiers et plusieurs nouveaux quartiers résidentiels. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et nous sommes invités à nous tourner vers la Vierge et demander à la Vierge d'intercéder pour nous. Je te salue, Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chantons la Vierge. Amen.
Avant de vous donner la bénédiction finale, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont préparé cette Eucharistie et aussi d'avoir permis aussi à tous ceux et celles qui sont chez eux, dans leur maison, de pouvoir être en communion avec nous à travers la MBC et de vivre cette célébration de la fête de l'Assomption ici à la chapelle Notre-Dame du Bon Conseil à Moka. Alors à vous tous, à vous toutes et à vous aussi qui suivez cette messe à la télévision, je vous souhaite une bonne fête de l'Assomption. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bonne journée. Voici arrivé à la fin de cette messe qui a commémoré l'Assomption de Marie. Nous tenons à vous remercier pour votre attention, vous qui nous suivez en direct à la télé. Nous remercions également la MBC, grâce à qui vous avez pu suivre en direct cette messe. Nos remerciements aussi à l'équipe Capav et le Père Georgie Kenny. Bonne fête de l'Assomption à tous et bonne journée.